Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes produits terminés. Avant de commencer les produits terminés, je vais vous parler de ce que je porte sur mes ongles. Donc en fait, si vous aimez bien faire des petites manucures qui sont pas qu'on ne voit pas en fait, qui font juste propre, je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés parce que c'est vraiment une question qui revient souvent. Donc à chaque fois maintenant que je ferai des petites manucures, hein, même si elles sont assez simples, je vous présenterai les produits. Donc tout d'abord, j'ai appliqué la base de chez Kiko. C'est une base toute simple. Ensuite, j'ai appliqué un vernis à ongles de chez Peggy Sage. Et celui-là, c'est le 038 rose boisé. Et ensuite, pour terminer, en top coat, j'ai réutilisé la base de chez Kiko. Moi, en général, les bases, j'utilise comme base et comme top coat, hein, c'est pas gênant. Donc voilà, donc je vais commencer la vidéo produit terminé. Donc le premier produit qui vient, c'est un produit de chez Avène, donc c'est de la gamme Eau Thermale. Et c'est une lotion micellaire, qui est en petit format. Qu'est-ce qu'ils en disent? Elle est nettoyante et démaquillante. Moi, je trouve qu'elle était plutôt bof. Je trouve pas qu'il y a eu vraiment un résultat avec ce produit-là. Donc franchement, est-ce que je rachèterais? Non, en fait, j'avais l'impression d'utiliser de l'eau. C'est comme si on m'avait vidé le produit et qu'on m'avait mis de l'eau à l'intérieur. Ça ferait exactement le même rendu. Donc mon prochain produit, c'est une crème de jour de chez Nivea. Donc c'est un soin de jour qui est pour les peaux normales à mixte et qui a un SPF de 15. C'est une crème hydratante qui est vraiment sympathique, hein, que j'ai bien aimé utiliser, mais que je rachèterai pas juste parce qu'en fait j'en ai déjà une. Hein, je la rachèterai pas après parce que j'ai préféré la Nivea Soft qui me convient mieux et que je trouve juste assez hydratante pour ma peau. Voilà, sinon c'est une bonne crème pour le jour qui est sympathique, qui n'est pas matifiante. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé cette crème-là quand même. Ensuite, le prochain produit, c'est un produit de la marque Clarisonic. Et ce produit-là, en fait, c'est un nettoyant pour le visage que j'avais reçu dans le coffret avec la Clarisonic. Donc, c'est un gel nettoyant moussant qui est purifiant. Franchement, j'ai vraiment adoré ce gel nettoyant-là. D'ailleurs, je l'ai mis dans ma wishlist pour celles qui sont abonnées à ma page Facebook. Franchement, c'était un gel nettoyant qui est vraiment purifiant. J'ai vraiment aimé ce produit-là. Ça m'a vraiment fait du bien à la peau. Du coup, il est dans ma wishlist et je souhaite vraiment acheter le grand format malgré le prix parce que vraiment je trouve que il y a vraiment un bon rendu sur la peau, qu'il y a une efficacité que ça nettoie en profondeur votre peau, ça désincruste les pores et franchement c'est vraiment un très bon résultat. Et c'est un produit bien sûr qui est doux et vous n'avez pas la peau qui tiraille après l'avoir utilisé. Donc pour un nettoyant qui serait adapté aux peaux mixtes à grasse, hein, étant donné qu'il est purifiant. Il n'est pas asséchant. En général, les produits purifiants sont souvent assez agressifs assez asséchants pour la peau, mais celui-ci non. Je rachèterai. Pour rester dans les nettoyants moussants pour le visage, en fait, ce produit-là, maintenant qui ne ressemble plus à rien parce que je comptais le réutiliser pour mettre un autre produit que j'aurais fabriqué moi-même, en fait, c'est le nettoyant de la gamme Effaclar Clar de La Roche-Posay. Et c'est le nettoyant moussant pour les peaux mixtes à grasse. Pour celles qui ne le reconnaissent quand même pas, je vous mets une petite photo hein, pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble en vrai. En fait, c'est un produit que j'ai racheté pendant plusieurs années maintenant, je pense. Ça fait maintenant un peu plus de 3 ans que je le rachète. Par contre, en fait, je vais arrêter de le racheter. Je me vers d'autres nettoyants qui seraient moins asséchants pour ma peau, moins agressifs. D'où le test de celui de Clarisonic qui m'a vraiment beaucoup plu. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de The Body Shop. Et c'est un gel douche de la gamme Délices de Canneberge. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé. Que je pense racheter. Là j'en ai un de côté en miniature oui je le rachèterai l'hiver prochain je pense, oui je pense que je le rachèterai. Donc ensuite toujours de chez The Body Shop j'ai terminé le mini beurre corporel à la canneberge de chez The Body Shop encore une fois. J'ai vraiment apprécié ce produit et j'ai le grand beurre, hein, le grand format franchement c'est vraiment une gamme que j'aime vraiment beaucoup. J'avais acheté l'hiver dernier, j'ai encore acheté cet hiver. Vraiment c'est une gamme que j'aime vraiment vraiment beaucoup chez The Body Shop, je la trouve très hydratante malgré que ce soit un baume plutôt qu'un beurre, franchement j'aime vraiment beaucoup, donc oui je rachèterai. Ensuite j'ai terminé un thé de la marque Kousmiti, donc c'est une marque de thé dont m'avait beaucoup parlé Julie et du coup c'est vrai que ça m'avait intéressée, ça m'avait beaucoup intriguée. Celui-ci, c'est mon préféré, c'est celui au thé vert et à la menthe nana et en fait la menthe nana c'est le nana en fait en arabe et c'est la menthe marocaine et franchement moi ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé une théière traditionnelle marocaine et que j'ai juste mis ça en fait, j'ai juste mis le thé
Et j'ai rajouté du sucre et de l'eau chaude. Et en fait, c'est comme si j'avais fait un vrai thé à la menthe marocain. Et c'est délicieux, franchement, c'est délicieux. C'est la recette des flemmardes et la recette des filles qui aimeraient découvrir le goût du thé marocain. Et franchement, c'est vraiment, il est réussi. Même quand vous le sentez, c'est un régal. J'aime vraiment beaucoup celui-là. Et je pense vraiment que je le rachèterai. La quantité n'est pas phénoménale, mais j'utilisais deux petites cuillères à café dans une théière qui prend à peu près 4 verres. Et l'odeur est juste dingue. Franchement, elle est juste dingue. J'ai vraiment beaucoup aimé ce produit. Le prochain produit, c'est la crème pour les mains réparatrice à la violette de chez Cottage. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit-là. Je trouve qu'il est vraiment top. C'est une odeur vraiment coup de cœur. Et c'est vrai que prochainement, je compte avoir le lait et le gel douche qui va avec de cette gamme-là à la violette. Par contre, je pense que je vous en avais déjà parlé dans des favoris et je vous avais dit que si vous la voulez pour qu'elle vous répare les mains, elle ne répare pas les mains, mais alors pas du tout. Elle est hydratante, apaisante et elle a une odeur qui est vraiment génial. Vous verrez si vous n'aimez pas l'odeur de la violette, il y a aussi la vanille, il y a le caramel, il me semble. En tous les cas, est-ce que je la rachèterai? Je sais pas. Franchement, je sais pas, mais en tous les cas, je vous conseille de l'acheter parce que c'est une très très bonne crème. Ensuite, j'ai terminé une mini jarre de chez Yankee Candle et celle-ci, c'est la Christmas Cookie. Et j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé l'odeur. C'est vraiment une odeur qui est très gourmande, très agréable. Ça sent le gâteau, c'est très sucré. Et pour la terminer, moi ce que je vais faire, c'est je pose la bougie sur une plaque électrique. Donc moi je la mets à 1 et c'est complètement suffisant, hein. La cire devient liquide et du coup ça donne vraiment un bon parfum dans la cuisine. Donc voilà, ça permettra vraiment de la terminer complètement. En tous les cas, j'ai les petites tartelettes. Je ne rachèterai plus de jarre vraiment, à moins que j'ai un grand coup de cœur. Mais sinon, au niveau des tartelettes, c'est plus économique et je trouve que ça dure aussi longtemps. Donc ensuite, j'ai terminé mes deux déodorants favoris. Donc celui de Nectar of Nature à la vanille et celui de Monoprix à la vanille. Donc ce sont des déodorants que j'aime vraiment beaucoup, c'est des déos billes. Je rachèterai toujours cela. Le prochain produit que j'ai terminé, c'est un produit homemade que j'ai fait moi-même. Donc que j'ai utilisé dans un packaging que j'avais eu chez Aromazone. Donc en fait, c'est un nettoyant que j'ai fait maison et d'ailleurs je pense le refaire parce que c'est un nettoyant qui était tip top pour le visage. Donc c'est un nettoyant à l'aloe vera. J'avais mis de l'huile de noisette qui est aussi très conseillée pour les peaux mixtes à grasse mais qui ne fera pas du tout de mal aux autres types de peau. Et aussi de l'extrait de cacao, ce qui a fait que ça m'a fait un nettoyant choco-noisette qui était vraiment juste génial pour le visage, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, c'est vraiment un très très bon produit. Je vous en avais pas parlé avant, c'est vraiment dommage, mais en tous les cas, j'ai beaucoup aimé ce produit-là. Ensuite, encore un produit qui revient souvent dans mes vidéos, en tous les cas, qui revenait aussi dans mes anciennes vidéos sur l'ancienne chaîne, c'est le 3 minutes masque éclat de chez Yves Rocher. Donc celui-là, c'est celui à la grenade. Il y en a un autre, je ne sais plus à quoi il est, je crois au cranberry, je ne sais plus. Et puis qui a un effet glacé, celui-là n'a pas d'effet glacé. Mais en tous les cas, il a un effet bonne mine instantané. Moi, quand je le mets et que je le retire, franchement, ma peau, elle est plus fraîche. J'ai un visage qui est plus frais, un teint plus frais. Et il y a un effet. Donc c'est un produit que j'ai toujours en avance. Donc j'en ai un d'avance et j'ai celui aussi qui est effet glacé. Et franchement, c'est un produit que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Le prochain produit, c'est ce produit de chez Nectar of Nature, donc qui est un gommage pour le corps, peau neuve. Celui-ci, c'est au parfum huile de noix. Donc est-ce que je le rachèterai? Non. Mais parce qu'en fait c'est un produit qui pour moi ne gomme rien. Donc, à moins que vous ayez besoin vraiment d'un gommage assez léger, moi j'ai vraiment besoin de quelque chose qui décape, qui gomme réellement la peau, qui lui permet de se renouveler. Mais si vous avez besoin juste d'un gommage assez léger, oui, ça peut vous convenir. L'odeur n'est pas désagréable plus que ça, mais elle n'est pas non plus top, hein. C'est pas vraiment le truc qui va vraiment vous détendre ou dont l'odeur va vraiment vous plaire. Mais voilà, donc c'était un achat pas vraiment utile, je l'ai terminé quand même. Mais je le rachèterai pas et pareil, je vous conseille pas de l'acheter. Ensuite, j'ai terminé un gel douche au Monoeil de chez Yves Rocher. Donc c'est un grand favori, je pense que c'est un grand favori pour beaucoup de personnes. Celui-ci fait aussi shampoing, donc j'ai pris plaisir de temps en temps aussi à le mettre sur mes cheveux. J'ai beaucoup aimé aussi sur les cheveux. Après, vous avez les cheveux qui sentent bon le Monoeil et c'est vraiment très agréable. Au niveau du gel douche, c'est un gel douche quand même assez asséchant. Donc vraiment, si vous êtes quelqu'un qui a souvent une routine après le gel douche et qui met du lait corporel ou quelque chose comme ça, c'est bien. Mais si vous ne
n'utilisez pas et que vous n'avez pas la peau plus sèche que ça, ça risque pas de vous faire de vous assécher la peau. On n'a pas toutes les mêmes peaux, donc on réagit pas toutes pareilles aux produits. Moi qui ai les jambes très sèches, c'est vrai que j'ai senti cet effet asséchant, mais si vous n'avez pas de problème de sécheresse au niveau des jambes, ça risque pas de vous arriver. En tous les cas, c'est un très bon produit que je rachèterai, que j'ai déjà d'avance. Ensuite, oh là là, je vais vous parler d'un produit que j'ai juste détesté. Et c'est un shampoing sec de chez Batiste. Celui-là, c'est pour les brunes. Et en fait, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est teinté. Donc automatiquement, non, vous n'avez pas d'effet blanc sur les cheveux. Sauf que vous avez la racine qui va au niveau du cuir chevelu. Ça devient tout marron, tout dégueulasse. Quand vous passez les mains dans les cheveux, vous avez les mains marron dégueulasses. Quand vous lavez vos mains, ça sort... c'est marron. Quand vous lavez vos cheveux, c'est même pas la peine d'aller chez le coiffeur après avoir utilisé ce shampoing sec là. Parce qu'elle va se demander quelle hygiène vous avez. Parce que franchement, l'eau... Quand vous vous lavez les cheveux, elle est juste marron foncé. Vous avez l'impression d'être dégueulasse, mais vraiment dégueulasse après avoir utilisé ce produit-là. Donc je l'ai détesté, je l'ai terminé, mais je l'ai détesté, vous ne pouvez pas savoir au plus haut point. Donc on voit très bien au niveau du pchit à quel point c'est dégueulasse. Donc franchement, je vous le déconseille si vous êtes brune. Si vous êtes blonde, c'est pas la peine. De toute façon, je pense pas que vous serez attirée par des produits destinés aux brunes. Mais franchement... je sais pas qu'est-ce qui leur a pris d'inventer un produit aussi dégueulasse que ça. Un shampoing sec, c'est pas fait pour laver les cheveux, c'est fait pour espacer les shampoings à la base. Pour pouvoir reposer le cuir chevelu, c'est pas fait pour le rendre plus crade. Donc voilà, franchement, non, je rachèterai pas. Moi, le seul que j'aime bien, c'est... alors, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il y a beaucoup de fleurs dessinées dessus. Je vous mets la photo tout de suite. Pour moi, c'est le meilleur des shampoings secs de chez Batiste. J'en avais testé un autre destiné au volume. Celui-là, il m'a rendu les cheveux rêches et cartonneux. Et celui-ci est complètement dégueulasse. Donc je reviendrai à l'autre, je ne sais plus, je pense qu'il s'appelait fleur quelque chose. En tout cas, vous voyez la photo. Mais voilà, un achat inutile. J'ai terminé un peeling végétal, le peeling net et végétal de chez Yves Rocher, donc que j'ai déjà racheté. Donc c'est un produit que j'ai tout le temps, que j'adore et qui fait partie pour moi des meilleurs gommages que j'ai testé pour le visage et des plus efficaces, qui laisse vraiment une peau nette et désincrustée, bien nettoyée. Voilà, donc il est très agréable à utiliser. Donc vraiment, je l'ai déjà racheté, je vous conseille de l'utiliser. Je vous en ai déjà parlé, mais si vous avez besoin d'en savoir un peu plus, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser juste en dessous de la vidéo. Donc ensuite, j'inclus ce produit dans mes produits terminés, mais vous voyez qu'il n'en reste plus qu'une demi-utilisation, même pas. Donc c'est mon lait corporel favori du moment, qui est à la poire caramel. Voilà, c'est un produit que j'ai juste adoré utiliser, j'en ai un d'avance. Je vais pas l'ouvrir tout de suite, hein, je vais me laisser le plaisir de l'ouvrir plus tard lorsque l'odeur m'aura manqué. Donc j'en mets du bas du corps vers le haut. Une fois que j'ai fait le haut du corps, je redescends au niveau des jambes et j'en remets une deuxième couche. Donc voilà, si vous avez les jambes sèches et que vous voyez qu'au niveau des jambes, ça boit assez rapidement, hein, le produit. Mais ensuite, vous avez l'effet pas assez hydratant. C'est un lait très léger, donc c'est tout à fait normal. Donc ensuite, dès que vous avez fait le haut du corps, vous revenez au niveau des jambes, vous allez voir que ça a bien séché et que vous pouvez repasser une nouvelle couche. Et à ce moment-là, la deuxième couche sera beaucoup plus agréable que la première et sera beaucoup plus hydratante. Donc c'est un produit que je ne peux pas racheter parce qu'il n'existe plus. Mais j'ai déjà la bouteille d'avance et j'ai pris aussi celui à la noix de coco. Donc franchement, je pense me retourner vers les laits Yves Rocher. Ensuite, toujours The Body Shop, j'ai terminé le beurre corporel au beurre de cacao. Donc là, c'est le grand format. Donc c'est un beurre corporel que j'ai vraiment beaucoup aimé utiliser. Et franchement... c'est un beurre corporel que je rachèterai, oui, mais vraiment pour le début de l'hiver, vraiment quand pour la période transitoire entre l'automne et l'hiver, oui, là à ce moment-là, oui, parce que c'est un beurre qui est très très compact au niveau de l'odeur. C'est une vanille chocolatée très sucrée et très agréable, et c'est un beurre qui est vraiment très 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 conseillé pour les peaux très sèches. Et celui-là, par contre, en un seul passage, hein, vraiment vous avez une hydratation intense et vous n'aurez pas besoin d'en utiliser énormément. Donc c'est un produit qui durera, donc c'est un bon investissement à acheter en période de solde, hein, bien sûr. Donc si vous l'avez pour 8€, 8,50€ max, franchement c'est un bon produit qui vaut le coup. J'ai terminé le gommage Smoky Poppy de chez The Body Shop, donc c'est la gamme qui est sortie pour la Saint-Valentin. Au niveau de l'odeur, hein, je vous l'avais dit, ça sent un petit peu les produits Nivea avec une légère odeur de fleurs en plus. Le gommage, c'est un gommage que j'ai vraiment beaucoup aimé et je vous redirige vers la...
la revue, hein, je vous mets en barre d'infos la revue de ces produits-là que j'ai faite sur ma chaîne. Donc en fait, j'ai fini aussi le beurre corporel que j'ai beaucoup aimé aussi. Au niveau de l'odeur, c'est pas plus, enfin c'est pas l'extase, hein, c'est une odeur assez simple, pas très très recherchée. En tous les cas, les produits sont de qualité tous les deux, hein, la qualité The Body Shop n'est plus à prouver. J'ai aussi terminé un beurre corporel de la marque Les Cosmétiques que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc là, il y a dedans c'est le baume après-shampoing que j'ai fabriqué moi-même. Je vous le montre quand même parce que je tenais à vous dire que le beurre corporel coûte 4 euros et quelques et valent vraiment vraiment le détour. Ce sont des beurres qui sont vraiment très agréables à travailler, à appliquer sur la peau. Et voilà, en fait ce sont des produits que j'aime vraiment beaucoup. Donc pour les périodes difficiles, quand vous avez moins de moyens et même si vous aimez beaucoup les produits The Body Shop, croyez-moi, les produits, les cosmétiques Carrefour, il n'y a pas de souci, ça vous plaira aussi. Donc voilà pour moi, j'ai fini la vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous sera utile et qu'elle vous servira, qu'elle vous évitera surtout des achats inutiles. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut les filles!